Je l'ai fini, jeune homme, ça y est. Oui. De quoi est-ce que vous parlez? Ce livre. Ce matin, j'ai terminé mon périple qui aura duré 2 ans. J'ai été tellement touché par ce récit que je ne pouvais pas ne pas te le dire. C'est un peu tard, là. Pardonne-moi d'avoir été si long à te le rendre, mais ça m'a permis de passer un si bon moment. J'ai très faim. Est-ce que ça te dirait d'aller manger un bol de nouilles avec moi? Au fait, l'autre jour, j'ai croisé un vieil ami en sortant de l'université. Mais il avait l'air plutôt mal à l'aise. Et il s'est vite éclipsé. Si votre ami a le même âge que vous, alors il doit être étudiant en doctorat. C'est normal qu'il ait été gêné. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi ce serait le cas. C'est moi qui redouble mon année, pas lui. Tiens, voilà une réaction bien typique de votre part, maître. Ça fait très longtemps que j'ai réfléchi et je crois que j'ai enfin réussi à prendre ma décision. Il est grand temps que j'aille m'ouvrir au monde pour voir d'autres horizons. Je vais partir faire le tour du monde. Ça a l'air super chouette. En ce qui me concerne, j'ai l'impression de m'être complètement trompé de voie. Tu ne peux pas dire ça, ta vie n'a même pas encore commencé. Tu n'es pas encore sorti du ventre de ta mère et tu en es loin. Non, ma vie est pas si mal. J'ai assez bien réussi, enfin en tout cas assez pour faire des envieux, mais je sais pas, il me manque encore quelque chose. Je croyais pourtant avoir tout obtenu. Peut-être qu'il existe quelque chose d'une plus grande valeur dans la vie. J'aurais peut-être pu avoir une vie étudiante encore plus rose, encore plus brillante et sans aucun nuage pour l'assombrir. Cette vie-là m'aurait peut-être satisfait. Qu'est-ce que tu as? T'es en train de rêvasser? Ah! Si je suis arrivé là où j'en suis, c'est parce que j'ai cru à mon potentiel et rien d'autre. J'ai bien réussi, mais je ressens quand même un vide dans mon cœur. J'aurais peut-être dû faire d'autres choix qui m'auraient conduit à d'autres possibilités. J'ai peut-être fait le mauvais choix en première année. N'abuse pas trop du terme « possibilité ». Contrairement à ce que tu penses, tout n'est pas possible. Est-ce que tu pourrais devenir une bunny girl, un pilote de course, un chanteur célèbre, ou pourquoi pas un héros qui sauve le monde avec ses super pouvoirs? Non, je peux pas. Peut-être que si, mais si tu es attiré par ce qui n'existe pas, alors c'est absurde de croire que c'est possible. Mettre des espoirs dans des possibilités qui ont de grandes chances d'être vaines, c'est ça la véritable source des maux qui te rongent. Tu dois t'accepter comme tu es, tu dois admettre que tu ne peux pas devenir autre chose que ce que tu es ici et maintenant. Tu n'auras pas de vie étudiante plus rose ou plus brillante que maintenant. C'est moi qui te l'assure, alors tâche de toujours rester imperturbable. La vie en rose au campus, ce n'est qu'une illusion, ça n'existe pas. Pourquoi? Tout simplement parce que le monde n'est pas rose. Le monde est composé d'une multitude de couleurs. Tiens, tu tombes bien, toi. Viens prendre un verre.